comment ça va tout le monde sur le campus de la Salty Academy? Allez, rentrez, racontez-moi tout. Ah, pas trop non plus, parce que je m'en fous un peu quand même. L'autre jour, du coup, j'ai fait une demande sur Facebook. J'étais en mode... j'ai dit, posez les questions que vous voulez, etc. Machin truc. Bon, une question qui fait extrêmement désagréable, mais bon, qui est extrêmement désagréable, à laquelle je réponds, tu vois. Quelqu'un demande à un moment, qu'est-ce que tu fais, en gros, si un BF ou un R6 ne fonctionne pas? Pas pour le premier et plus pour le deuxième. Parce qu'en termes de FPS, derrière... c'est limitado, tu vois. Du Fortnite, oublie la blague, elle est pourrie, ok? Alors, non, toi, je t'ai vu là-bas. Tu t'es dit, je vais mettre format. Attends, ma blague, elle est pourrie. React plus vlog, et tu mises sur ta personnalité. Et n'oublie pas les pranks où tu tues quelqu'un. Alors, je suis pas au courant de ce dernier truc. Moi, j'ai déjà pranké un mec et je lui dis, hey, t'es mort. T'es mort. Allez, regarde les vidéos. Bah, tu peux pas. C'est quoi ce truc? Et n'oublie pas les pranks où tu tues quelqu'un. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le React, je trouve ça naze. Et je dis pas que j'en ferai pas, hein, ça se trouve. Mais je trouve ça, c'est un abrutissement total, quoi. C'est vraiment de la merde, quoi. C'est vraiment, venez, on regarde, on mange des popcorns et on regarde un autre truc, quoi, tu vois. Vlog, bon, pourquoi pas, à la limite, mais tu vois, vlog, moi qui dis vlog, qui dis voyage, donc forcément, coronavirus, tout ça, c'est pas le plus simple, quoi. Ça s'organise, quoi, ça se fait pas comme ça. Après, t'as quoi? GTA RP, PUBG, c'est mort. Warzone, mais non, Warzone, c'est déjà pris, quoi, c'est déjà depuis un an. CS, Valo. Et je peux pas retourner sur CS et Valo, les amis. Vous allez sur le Twitch parfois? Vous allez regarder Twitch parcourir ou pas? Vous renseignez sur les jeux qui marchent et les jeux qui marchent pas? Valo marche pas en France. Live, j'infiltre un cartel mexicain, ça tourne mal. Moi, j'aimerais trop faire ça. Hein. Apex ou GTRP ou COD? Ouais, je pense. GTRP, en fait. Et ça fait 2 ans que je me dis, ouais, faudrait que j'essaye. Je sais que je... En plus, j'ai clairement les capacités pour être extrêmement, extrêmement marrant. Appeler un marabout pour lui demander quel jeu marche mieux en France pour stream. Attends, vas-y. Teammate. Remember it. Voyant médium, voyant marabout, voyant retour affectif, récupérer l'amour. Je pense qu'on est bon, lui il connaît le Twitch game, hein, ça c'est clair. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'aimerais avoir des petites informations par rapport à comment ça se passe, en fait. Vous êtes où? Dans quelle ville? C'est si important que ça? Je suis pas en France. Alors, vous êtes dans quel... Actuellement où, actuellement? Je suis en Belgique. Ok, d'accord. C'est quoi votre problème? Vous connaissez YouTube? Oui, je connais, oui. Et j'aimerais savoir si je vais devenir un grand YouTuber. Pour cela, il faut faire la consultation. Et c'est combien? 50 euros. Et vous pourrez me dire si je vais devenir un grand YouTuber? Voilà. Mais vous connaissez bien YouTube, vous? C'est ce que je vous dis, oui. Okay, mais vous avez des connaissances en SEO, en keyword? Quand vous serez prêt, vous m'appellerez, d'accord? Et vous avez un email? Email, oui. Oui. Donnez-moi votre email pour qu'on prenne rendez-vous. Vous voulez rendez-vous quand? Le plus tôt sera le mieux. J'ai envie de devenir YouTuber beauté ou cuisine ou alors Apex Legends et je sais pas, en fait. Maintenant, pour cela, maintenant, c'est 50 euros la consultation, monsieur. Je vous dis, donc, quand vous êtes prêt, vous m'appellerez pour qu'on va voir ça le plus vite possible. Eh bah, donnez-moi votre email. Vous avez fait quoi avec l'email? Bah, vous envoyez un email. Vous avez des enfants? Oui. Ok, bah, peut-être qu'ils connaissent YouTube. Comment? Ils ont l'air d'avoir l'âge de connaître YouTube. Vas-y, je deviendrai pas YouTuber. Hardcore Deathmatch Small Map. Gun game, ok. Je récupère tes FPS, j'ai l'impression d'être en DLSS, quoi. Oh, c'est quoi ce bugger là? Nope, nope, nope. Ah, mais il me prend pas sur tout. Oh non, il est parti. Oh non. Et le lag. Le lag. Allez, mais... Mais c'est horrible ce truc là, mais... Mais putain, mais tire ta mère la p***.
T'es pas obligé de recharger à chaque fois là. Je peux pas tirer. Là, tu peux tirer. Non, 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 non en fait. Et pourquoi là tu peux? Pourquoi à 3 tu pouvais mais pas à 1? C'est quoi ça? Shotgun à répétition? Ok. Mais ça lag en fait. Ah puis on voit pas la carte. Bon là ça va être mieux. Je supporte pas tout ce qui est DMR en fait. Voilà, c'est mieux. Faut vraiment qu'ils fassent quelque chose avec les footsteps aussi. Hein. Putain, on n'entend rien quoi. Alors les grosses explosions à l'autre bout de la main. Et même en night mode. Hein. Oh cette arme. Oh cette arme. Oh. C'est vraiment sympa ce petit gun game quand même. C'est vraiment de la merde ce petit gun game quand même. Close Quarter sur BF3, j'ai joué aucun DLC quasiment sur BF3. BF3 et BF4, j'ai jamais resté jusqu'au BF. J'ai jamais resté jusqu'au. Au DLC. C'est quoi l'arme là? Ah, c'est la Thompson. Ah, ok, ils ont vraiment mis toutes les armes quoi. Il va falloir qu'on soit plus de 128. Ok. C'est quoi comme arme ça? Oh nom de Dieu! Mais c'est dégueulasse ce truc là! J'aime pas les DMR, j'aime pas les armes qui tirent en rafale. Vous aimez des armes qui tirent en rafale? Oh, oh! J'aime pas le faire tellement c'est bas pour le micro quoi. Oh lui on le voyait même pas bro. Voilà enfin des vraies armes là. Voilà là ça pique un peu. Voilà. Wow 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 c'est quoi ces spawns tout pourris? Ouais, faut tirer en hipfire. Vraiment ridicule, je supporte pas le hipfire. Vraiment un truc de toto le hipfire quoi. C'est vraiment le truc anti-skill par excellence. Ah ça va, je commence à me chauffer un peu. Waouh, 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 waouh. Moi aussi je suis tombé au même endroit que toi frère. Non, comment on peut? Ok, on peut. Ok. Ah, là ça va mieux. J'aime pas me faire saucer au début là, je supporte pas quoi. Bon, on est pas arrivé dans la game. Oh, c'est horrible. Et tu vas mourir, oui, bro? Faut faire que deep fire en fait, faut jouer comme un shotgun ce truc. Voilà. Et du coup, ça passe. Un mec là. Mais il a disparu. Hop là. Non. Il est où lui? Si c'est bon on a vu. Ah voilà, il veut des vraies armes.
Voilà. Mais merde, c'est mon kill! Putain, c'était mon kill, ok? Il y avait mon nom marqué dessus! Il a pris. Ouais, mais c'est quoi ça, mon gars? Pourquoi? Eh, mais ouais! Bah voilà, ça c'est le skill, tu l'as senti mon skill? Oh, t'es éclaté, va sur R6. Mais mec. Ah, il a raison. C'est une map sur BF4 celle-là? Ouais, canon de nos chars. Elle est vraiment trop bien. C'était la map à TDM quoi. Mais elle est bien, ils l'ont pas que reprise. Il y a un mec qui a fait des différences, j'ai vu ça sur Twitter, entre BF3 et BF2042 sur les mêmes maps. Ils ont vraiment fait des trucs sympas. Du coup, dans ton imaginaire, de ce que tu t'en rappelles, tu te dis « Ok, ça ressemble exactement. » Mais en fait, quand tu regardes les vrais trucs de l'époque, tu te dis « Waouh, bro, non, ça va rien avoir en fait. »